recevons ce matin une de vos grandes admiratrices, figurez-vous. Il s'agit de la rockeuse Courtney Molotov. Yeah, rock and roll, everybody. Ah, Catherine, c'est un signe que je vous rencontre aujourd'hui. Ah, comment ça, un signe? Bah parce que j'avais tout arrêté, moi, Thomas. Le rock, ça me faisait trop picoler. L'année dernière, mon médecin m'a carrément interdit l'alcool, vous vous rendez compte? Oh là là. Je lui dis, attendez, même le whisky? Il me dit, bah surtout le whisky. Ah, ouais, la tuile. Vous avez changé de vie, alors, du coup? J'ai pris le large, littéralement. Je suis parti sur un chalutier pour pêcher du maquereau. Ah oui. Mais vous savez ce qu'on dit, chasser le guitariste, il revient pour un pogo. Donc, j'ai fini par créer un groupe de rock avec les collègues marins, Courtney et les Macro Boys. Wow. Bon, du coup, la brigade des mœurs a débarqué, ils croyaient que je tenais un réseau de prostitution. Je leur ai dit, moi les gars, le seul truc que je tiens, c'est le manche de ma guitare. Wow. Ouais, il est frais, mon camillo, et ma dorade, et mon macro, et j'ai aussi des bigorneaux, 17 euros pour un kilo. Yeah! C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Est-ce que c'est pas quand même un petit peu redondant, les chansons sur la pêche? Vous rigolez ou quoi? J'ai jamais autant écrit. L'autre jour, j'ai réussi à faire rimer l'immonde avec télécommande. J'étais là, Baudelaire ou quoi? Non. Le vrai problème sur le bateau, c'est les mecs. Ah, c'est très très masculin comme milieu, c'est ça? Ouais, je suis la seule nana face à des vieux loups de mer qui me draguent toute la journée. Oh. Et moi, faut savoir que la dernière fois que j'ai touché une anguille, elle était pas dans un slip, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, d'accord, oui, on voit bien, on a l'image. Bon, vous comptez rester encore longtemps sur votre bateau, du coup? Non, je fuyais l'alcool, hein, mais bon, là, ça fait 6 mois que je suis sobre. Je me sens prête à revenir faire du rock sur la terre ferme. En plus, avec la bénédiction de mon idole Catherine Lara, il y a de quoi fêter ça. Je suis la buveuse des viands. C'est moi qui conduis le jour de l'an. Je ne bois plus de mousse, je préfère le houmous. Je suis la buveuse des viands. Wow. C'est pour ça aussi être la roqueuse de Merlan. Attention. C'est vrai que je vous ai trouvé une auteure. On est content pour vous. On est content pour vous, en tout cas, Courtney Molotov. Ouais, ça fait plaisir. Bon, faut que j'y aille, par contre, parce que j'ai léché... ma pinte de blanc devant le studio et j'aime pas la boire tiède. Ah, de la bière, Courtney Molotov, mais vous aviez pas arrêté l'alcool? Bon, enfin, Thomas, il n'y a pas d'alcool dans la bière. Si. Oh, merde. Si, je crois. Ouais. Merci et bon courage, Courtney Molotov. Et surtout, bravo à Cécile. Bravo. La roue libre. Bien sûr, je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération.